Jordan, t'as eu, on appelle ça un ascenseur émotionnel, Jordan. Hein? T'as des émotions qui se baladent comme ça, les montagnes russes, tu sais plus. Ah, il est blessé, ah, je suis content, ah, alhamdoulilah. Non! Non, Jordan. Jordan, tu sais que pour essayer de calmer ton cœur, pour qu'il ne fasse plus de, hein, pour qu'il ne chahute plus, chacal, même si je suis blessé, je vais quand même te tabasser. Je veux bien te tabasser. Hmm? Je vais bien te bastonner, Jordan. Blessé, pas blessé. Amputé, pas amputé. Hmm? Il faut que tu saches ça. Donc, dorénavant, si je dis que je suis blessé, Jordan, dis-toi dans ta tête, même pas la force. Il va quand même me bastonner. T'as vu quand Lopez t'a dit... Jordan, là, je crois que... En fait, tu vas prendre pour tous les haters. Tu vas prendre pour Fernand. Tu vas prendre pour le MMA. Parce que c'est dur le MMA. Là, je vais me venger sur la prépa. Je vais me venger sur toi. Je vais me venger de la prépa sur toi. Tu vas prendre pour tout le monde. C'est-à-dire, je sais que tu n'as rien demandé. Encore, tu serais un méchant. Je me dirais, bon, il mérite. Toi, tu es gentil, Imskin. Donc, tu ne mérites pas. Mais quand même, tu n'es pas si gentil que ça. J'ai fait une vidéo YouTube là, elle est en montage, où je parle de toi. Pendant un petit moment quand même, je ne veux pas spoiler. Je parle de Watt, je te dis des quatre vérités. Et pas si gentil que ça, chacal. Parce que de là à accepter un combat contre Doumbé, là, il faut être fou. Ça me manque de respect. Total. Jordan, ça va aller vite. Moi, si tu m'envoies un message, tu me dis gros, fais ça vite. Vous voyez, j'ai pas envie de passer trop de temps dans le ring, dans la cage. Tu me dis fais ça vite, je fais ça vite. Tu me dis fais ça vite, j'ai juré, je fais ça vite. Mais je veux que ce soit toi qui m'écrive, pas Lopez. Lopez, il m'écrit, oui, donc bon, petit frère, il faut que tu ailles doucement avec le petit. Non. Non. Je veux que ce soit Jordan qui m'écrive. Et Jordan, je veux qu'il me dise, bonjour grand frère. Je te respecte beaucoup. Je te demande pardon d'avoir accepté le combat. Et je te demande d'abréger mes souffrances. Là, d'accord. Parce que bon, je t'ai dit d'abandonner, mais en vrai de vrai, vas-y, je veux mon oseille. Ah, le public veut voir ça, donc bon. Gare, tu vois. Abandonne pas trop. Hey, c'est après le post d'hier, la story d'hier, que j'ai compris que gars. Hey, j'ai vraiment pas droit à l'erreur là. Hey, les menaces de mort que j'ai reçues, les insultes que j'ai reçues, c'est pas possible. Le plus de messages, je crois que 80% des messages c'était « Non Cédric, t'es pas sérieux. Non, me dis pas ça Cédric. Je reçois que des messages comme ça. Eh vas-y, t'as intérêt de combattre. Sur la vie de ma mère, t'as intérêt de combattre. Je rigole même pas avec toi. Eh, je recevais que des menaces de mort. Que des menaces de mort. T'es pas sérieux. Tu te chies dessus. Mais non, non, s'il te plaît, pas toi Cédric. Les gars, vous savez que moi, je suis un mec de parole. Quand je dis que je vais éteindre, je vais éteindre, mon frère, EDF. EDF. C'est un mec qui blague. Électricité de France.